Quoi, ils m'ont fait venir à la police. Aucune trace. Pas de question, Charles. Oh, si, monsieur le président. Madame Andréhi, vous nous dites que ce fameux homme au pull vert rouge, sous prétexte de rechercher son chien noir, a tenté de faire monter dans sa voiture un garçonnet, un petit frisé. Qu'est-ce que c'est que ce petit frisé? C'est un petit garçon. Son nom? Je ne sais pas. Ses parents ont déménagé tout de suite après. Évidemment! Et la tentative sur votre fille et son amie Carole, c'est avant ou après la tentative sur le petit frisé? Ça s'est fait avant. Mais nous, on n'en a parlé qu'après. Madame Andréhi, pouvez-vous expliquer au juré dans quelles conditions vous avez été appelée à témoigner dans cette affaire? C'est parce que j'ai rencontré sa mère. Madame Andréhi, adressez-vous à la cour. Où cela? À la prison. À la prison? Mais qu'est-ce que vous faisiez là? J'allais voir mon fils. En prison? Ben oui, puisqu'il a été arrêté. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Blanche? Je ne peux que vous répéter ce que j'ai dit au précédent témoin. Vous n'apparaissez pas dans ce dossier. Aucun procès-verbal ne vous concerne. C'est normal.